Anthony, salut Anthony. Donc alors, première mi-temps, c'est vous qui dominez. Mais vous n'avez pas l'idée de marquer. Il faut attendre la 46e minute et puis que tu aies la bonne idée de marquer. Est-ce que ce but, ça a débloqué un peu la situation? Ouais, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on a du mal devant le but, on a du mal à marquer. On fait des bonnes mi-temps. Là, on fait une bonne première mi-temps encore. Ouais, sans but. Mais sans but, on a du mal à marquer en ce moment. Les attaquants, ils sont pas en confiance. Mais ça fait plaisir de pouvoir débloquer la situation. Après, on a vu quand on arrive à marquer, après on déroule. Ouais. Même si en deuxième mi-temps, on a été moins bon. Vous avez été en difficulté en deuxième mi-temps. Une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps plus dure. Mais tu as eu encore la bonne idée. À la 87e minute, tu remets ça, tu mets un second but. Ouais, c'était mon jour, je crois. J'ai pas encore marqué de la saison, en plus. Et non seulement tu marques deux buts, mais tu amènes aussi le troisième. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, victoire 3-0, est-ce que c'est bien sûr, c'est mérité? Ouais, c'est mérité au vu de la première mi-temps. Après, Lyoncourt, ils se sont bien repris en deuxième, mais ils ont pas été très dangereux. Et ouais, sur le vu du match, je pense que c'est mérité. On a fait un bon match. Ouais. On est un peu leur bête noire, je crois. Ah bon? Ça fait deux saisons de suite qu'on leur met 3-0, 4-1, 3-0. Ah, effectivement. Ils nous bien. On essaye. Ok, alors ce soir, on a une équipe de Balagny heureuse. Ouais, on a un Anthony Poix qui est heureux. Et puis peut-être pour toi, c'est le début d'une longue série de buts. Ouais, j'espère. À espérer aussi. On va tout faire pour. Ok, je te remercie, Anthony. Ouais, merci. C'est plus possible. T'es dedans, tu oublies même. Allez, on y va, Anthony.